Bonjour, bonsoir tout le monde. Je dis un bout d'une super vidéo pour nous qui est vraiment intéressant. Grâce à ça, avec technique ça qui me prend trop long, on est capable d'utiliser n'importe téléphone comme une caméra de surveillance. Ça veut dire qu'on est capable de contrôler toute action qui passe aux alentours des côtés téléphone ça y est en direct sur téléphone parlant. Une bataille mais pour nous mal utiliser. Maman dit pour bien regarder vidéo en face pour capable bien comprendre tout processus. Et si vous nouveau sur channel là, maman dit pour abonner puis activer cloche notification parce qu'il y a plus de secrets qui va le dévoiler. Une bataille nous perd yo. Premièrement, on a pas téléphone pas nous et puis nous va aller sur Play Store. Nous pouvons faire rechercher une application qui est make your old phone as some security camera. Et bien ça c'est l'application ça. N'a pas juste installé une façon pour nous capable ouvrir. Là nous revient là la page comme ça, on a cliqué par en bas sur sign in with Google. Et puis là vient par être comme ça. Normalement là toute adresse email nous est sur téléphone nous a monté. On a juste sélectionné adresse email nous t'aimer utiliser. Et puis on a faut patienter tout petit. On a cliqué par en bas sur close. Et puis la page comme ça encore on a cliqué sur OK. Et puis on a cliqué sur close par en bas. Là nous fin faire tout processus ça sur téléphone par nous. Quand il y en a pas téléphone nous t'aimer installer application ça sur lien. Puis nous aller sur Play Store. Nous pouvons faire recherche même application qui c'est make your old phone or some security camera. Là nous arrivons là la page comme ça et puis on a cliqué sur OK. Là nous arrivons là encore on a cliqué sur autoriser. Et puis la vienne page comme ça on a cliqué par en bas sur agree et puis on a cliqué sur agree encore. Et puis la vienne page comme ça on a cliqué par en bas sur sign in with Google. On a juste cliqué par en bas là sur ajouter notre code pour capable ajouter même adresse email que nous avons mis sur application nous sommes installés sur téléphone pas nous. Là nous fait notre adresse email nous on a cliqué par en bas là sur suivant. Là nous arrivons là n'importe mot de passe adresse email nous et puis on a cliqué par en bas sur suivant. Et puis la vienne pas être que ça n'a cliqué pas en bas sur j'accepte. Normalement nous nous connecter ensemble avec même adresse email là bien rapide. Et puis la vienne pas être que ça n'a cliqué pas en bas sur close. Et puis la pas être que ça n'a cliqué sur OK. Et puis la nouvelle là n'a cliqué sur close. Qui ça c'est créé exactement. C'est par exemple pour un business. Ou dis-moi si vous avez la caille ou t'as contrôler tout ça qui passe là-dedans. Vous pouvez utiliser l'application ça comme une caméra de surveillance. Donc c'est une application qui est extrêmement importante et vous êtes vraiment satisfait. Pour nous faire ça, n'a cliqué pas en l'air là sur cette caméra ça. Et puis la vienne pas être comme ça, on a cliqué sur One par en bas. Et puis ce téléphone par nous, on a cliqué là sur Click here to connect. Et puis là, on a cliqué sur Save. Ça, c'est une réclame, on a pas de vienne passer. Et puis on a cliqué par en bas là sur Fermer. Pour nous enregistrer la vidéo, ça met sur galerie téléphone nous, on a cliqué là sur Recording. On a cliqué là encore sur Recording. Et puis si nous t'aimons faire un screenshot, on a cliqué là sur screenshot. Pas oublier que c'est caméra téléphone ça qui monte sur téléphone, n'a pas gardé image ça yo. Donc dans n'importe position, nous t'aimons mettre téléphone ça, n'importe action qui passe, on a pour elle sur téléphone pas nous bien rapide, ça aucun problème. Nous sommes capables d'activer caméra qui devant téléphone là ou du moins caméra qui des deux téléphone là. Si nous t'aimons faire une vidéo sur qui ça nous capable contrôler mon à distance sur téléphone li pas non mais au maman dit pour nous quitter un commentaire et puis pour nous faire vidéo ça arriver à 500 likes. Et puis pour nous partager dans toute page, dans tout groupe, il y a une façon pour qu'arriver à joindre tout le monde. M'attend nous une autre vidéo qui est intéressante toujours. À la prochaine.